T'en veux plus de mes cadeaux. Ah, très bien. D'accord. Tu te débrouilleras toute seule? Voilà. Comme une grande. Ben, on va te voir à l'œuvre, hein? Ah, tu vas la découvrir, la vie toute seule. Alors, est-ce qu'elle est devenue ton insolence à ce moment-là? Hein, elle sera peut-être moins fière dans 6 mois ou dans 1 an quand tu vas perdre. Bon, ça va, je crois qu'elle a compris, là. Hein, t'as compris, Betty, dans l'ensemble? Alors, de quoi il se mêle, lui, là? On lui a demandé un commentaire. Putain, t'avais comment tu parles? Hein? Hein? T'as vu comment il me parle, non? Pas, non. Non, non. Pour qui il se prend, celui-là? Calme-toi. Attention, hein, parce que je perds peut-être du temps, mais quand j'y suis, hein. Putain. Tu lui dis rien, toi? Non, je dis rien, moi, je m'en fous de vos histoires. J'ai envie de fermer et d'aller me coucher, alors, tu vois, je suis fatigué, là. Oui. Ah, tu t'en fous de mes histoires, je te remercie? Ouais, parce que tu t'intéresses aux miennes, hein? Tu les connais, mes histoires, à moi. À part ton émission de télé, là, que j'ai pas vue, d'ailleurs. Hein, t'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, t'as vu, c'est même pas ça veut dire!